L'immobilier est neuf, donc surtout un immobilier qui est sans travaux, avec des garanties fournies par le promoteur, garanties biennales et garanties décennales, et aussi un avantage économique qui sont liés aux frais réduits. Dans le neuf, on achète avec des frais de notaire réduits. Avant tout, s'assurer que là où on veut investir, il y a bien un marché locatif dynamique et un bassin d'emploi qui va nous permettre de trouver facilement le locataire. Avant de décliner les trois principaux, je précise qu'il est important de se faire accompagner par un gestionnaire de patrimoine, en tout cas quelqu'un qui va vous conseiller au mieux de vos intérêts. Les trois investissements aujourd'hui, c'est le dispositif Pinel, c'est les résidents gérés, étudiants ou seniors, avec un bail garanti, et c'est aussi la possibilité d'investir en démembrement. On achète la nue propriété et on laisse l'usufruit à un bailleur. Mais comme je l'ai dit, le gestionnaire de patrimoine saura vous expliquer précisément.